Bonjour à tous et bienvenue dans l'ombre du Mordor avec Greg et donc sans Ario. C'est aujourd'hui nous avons Talion et on va commencer une mission qui est par là. Et moi je me suis bien amusé depuis la dernière fois. J'ai pu faire toutes les quêtes annexes et c'était bien drôle. Pardon, je vais lui mettre une tanasse, le mec, il a rien compris. Ouais, la reine du rivage. Découvrez ce que c'est la reine Marwen à propos du pouvoir du spectre. Ok, bah oui, c'est parti. Moi, je veux bien. Tenez. Allez-y, buvez. Oui, buvez de l'eau, ça a l'air... Voilà, vos yeux sont bizarres sur mon écran. Dorian. J'ai trouvé le marteau en mitril. Vos flammes peuvent me montrer pourquoi la mort m'a été refusée. Attends, là tu pars. Sois gentil avec la dame, hein. Sois gentil, Talion. Oula, vos yeux sont bizarres. Ils ont changé. Vous êtes la victime d'un sacrifice de sang. Le sort peut-il être rompu ? Détruisez la main noire et ses partisans et récupérez le Mordor. Ok, ouais, c'est simple. Aucun homme du Gondor ne me viendra en aide. Mais t'as pas besoin d'aide. Vous n'en aurez pas besoin. Votre pouvoir engendre les partisans. Qu'ils le veuillent. Oh non. Oh mais non, mais c'est pas cool sur les joueurs. Ah. Ouais, je vais faire une armée, ce serait cool. Comment dois-je faire? La réponse est dans la forteresse toute proche, mais ce que vous cherchez n'y sera peut-être plus très longtemps. Ok. Ok. Et maintenant? Marwen a décrété l'urgence. Affrontons l'avenir. Atteignez rapidement le fort. Ah oui, carrément. Sans vous faire repérer. Oh. Ok, j'y suis. Et maintenant quoi? Ce n'est pas eux que nous cherchons, mais ce qu'ils portent. Je les sauverai malgré tout. Ouais, carrément. Ne te laisse pas aveugler par tes émotions. Ah bah, il te laisse pas aveugler parce que t'en as pas. Après la reine, nous saurons comment rassembler une armée d'orques dans cette forteresse. En marquant ces archers, nous pourrons rassembler notre armée et sauver en même temps ces hommes. Marquant? Ah, marquage, cool! Lorsque vous effectuez un drainage sur la nuit, vous leur infligez également une marquage. Si vos partisans vont marquer. Maintenir. Marquage furtif, marquage de combat. Compétence, ok. Ça va me faire opérer. Ouais, si. Moins de 3 minutes. Et si je répandais leurs entrailles au grand jour? Ton esprit m'appartient. Voilà. Tu me suis? D'accord. Maintenant, bah, un autre. Alors, en passant là... Allez, saute, Talion. L'armée du Gondor nous envahit. Les hommes pullulent. Ces limaces pensent pouvoir prendre nos terres. Mais c'est fini. Il est temps pour nous de les reprendre. Et on va aussi en finir. Tu étais fait pour être intimidé par... Marquage. Brise leur volonté. Ok. Ah oui, ils sont tous là-bas, quoi. Ok. Allez, monte. La tête, les tripes. Qu'est-ce que je devrais trancher en premier? Cage. Allez. De la lumière de mes yeux. Vois les flammes bleues qui vont te sauver. Oh oui, le cadeau! Regarde, va transpercer ta... Le cadeau qui m'a fait... Il s'est retourné!
Si. Et le dernier. Qui est là. Observe les flammes. Mais c'est facile. Je pensais que ce serait plus difficile. Activez les archers. Ouais. Éliminez tous les ennemis. Bah allez-y. Ah mais bossez les mecs hein. Moi, je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Je suis désolé. Bon allez. Et boum. Déjà, ça en a réduit. Voilà, c'est de 1. Oh, Bon, là, je suis chaud. Voilà, ça c'est fait. Oh les archers, vous faites quoi là? Ah, moi aussi. Ouais, bien les archers. Et le dernier, voilà. Mission efficace. Efficacité. Et maintenant, la vidéo. C'est la dame du rivage qui vous envoie nous sauver. Ouais, non. Elle nous avait bien dit d'attendre la fin de la bataille. Mais les orques nous ont... Je te l'avais dit. Ces visions se réalisent toujours. Oui, mais moi, je t'avais dit que... Vous avez quelque chose pour moi. Oh, le silence. Nous envoyer chercher ça. Un artefact. C'est quoi? Oh, la couronne! Sa couronne! Ça a l'air de pas être agréable. Bien sûr, c'était un archer, sinon ça aurait pas été drôle. Et sinon ça aurait pas été logique. Et un bon archer en plus. Joli! Ah, oh oui! Badass! Mec, il a besoin de personne. Et comment ça se fait qu'il est mort alors? Qui l'a tué? Ah! Ma réponse? Sauron, carrément! Genre, pas personne, hein! Le grand! Genre, voilà! Lui, c'est un des seuls qui a vraiment affronté Sauron! Oui, là, quand même sa masse d'armes, c'est pas de la gnognotte, hein. Et bien sûr, tu t'es fait avoir en sacrifice de sang, je suppose. L'anneau. Envoyez-les au Mordor. Ah, tiens, on entend sa voix. Je sais pas si j'ai déjà entendu sa voix. Alors, c'est censé t'apprendre comment faire une armée. Là, marquer les archers en moins de 3 minutes. Encore ? Qu'est-ce que c'était ? Mais non, ça je l'ai déjà fait. Ouais ! Et oh, oh, oh. Ah, toi. Et oh oh oh. Non mais les gars là. Bon les archers vous m'aidez pas trop là hein. Je pourrais pas dire mais bon. Bim. Un moins. Toi là, avec ton bouclier, t'es le plus emmerdant en général.
Allez! Oula, deux! Bon, allez! Il a tranché! Non, saute par-dessus, merci. Voilà. Non, t'étais censé. Bon, je crois. Voilà. Un en moins. Voilà, un en moins. Le coup critique. Enfin, le finish, par contre. Et le dernier. Voilà. Oh là là! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? C'est une chose de tuer ces Uruks. En faire nos partisans en est une autre. Ouais, c'est pas mal. Un cadeau. On peut retourner les armes de l'ennemi contre lui. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah oui, c'est vrai. J'avais des points, maître. J'avais des points. Ah bah oui, 4 points. On va pas dire non. Alors, j'ai... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 points, bien, allez, 9, 1, bon bah d'accord, 1, étourdissement par plongeon, plongez sur l'ennemi, appuyez sur A, vous permet maintenant de l'étourdir, ah d'accord, en gros, à chaque fois que je fais ça, oui. Bah oui, je le veux, si j'y dis, maintenant sur 8, 1, encore, oh, bon, trio de dagues, carrément. 3 à la suite. La classe. Et encore 2. Ah, cette fois, c'est 2. 2. Drainage de combat. Une fois le coup, appuyez sur A et B pour drainer. Ouais, pas mal. Et maintenant, 1. Il me reste toujours 6. 4. Alors, 1, 2, 3, 4. C'est quoi ça, la tête de mort? Menace de mort. Permet de proférer une menace de mort contre un capitaine pendant un interrogatoire. Améliore grandement les chances de perte d'une rune équipique. Je vais augmenter. Ok, non, bah c'est pas mal ça. Faudrait que je le teste. Et apparemment, j'ai plein de points à mettre. Alors, c'est toujours 870. 800. Et... Ah oui, j'ai carrément... Ouais, non, mais là, c'est cuissant, les mecs. Hein. Enfin, je sais pas... Donc, 870... 1000, 1050... 1050... 1700... Et là, c'est 2500, ouais. Bah oui. Bon, là, c'est bon. Voilà. APU. Voilà. L'augmentation des compétences, c'est... pas mal. Et j'ai des nouvelles missions maintenant. C'est cool. Bon, allez, autre mission. La plus près, c'est celle-là. Et d'ailleurs, je vais me téléporter. Je vais pas m'embêter. On va aller faire l'autre mission. Et maintenant que j'ai drainage, ça va être bien. C'est parti. Là. Voilà, déboule. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, désolé, ça fait deux fois. Je m'excuse, j'essaierai de pas le faire. La reine détient la clé pour libérer... Pouvoir décommander, donner, constituer... Ah mais ouais, vas-y, on va le faire. Hein. Je sens que ça va pas être si simple, quand même. Kerry Wingbor. Oula. Ah oh. T'as pu. Non, meurs pas. Ah, pardon. Pourquoi êtes-vous venu? Vous n'avez pas terminé. C'est quoi cette voix? Comment saviez-vous où trouver ça? Il m'a montré. Vous ne m'avez pas dit ce que vous vouliez en échange? Seulement que vous sachiez de quoi vous êtes capable. Trouver un chef orc, un chef de guerre et
Et où voulez-vous que j'aille avec cette armée? Amenez-la-moi. Et je vous montrerai. Ouais, enfin ça c'est encore un traquenard, mais c'est rien. Hein. Bon, tu pourrais le regarder, hein. Ça coûte rien. Tu peux peut-être la revendre. Non, il ferait la tronche. Marwen nous a dit de lui amener une armée. On ne va pas bâtir une armée, mais en commander une. Trouvons un capitaine Uruk à dominer et à mettre à notre botte. Il y a un esclavagiste appelé Grublik pas loin. On va le pas loin. J'adore comment il le dit trop normalement, genre « Il y a un esclavagiste pas loin. » On va pas s'embêter, hein. Bon bah cours. C'est parti. Wouhou, Grublik. On trouvera ce capitaine là où il y a des esclaves à torturer. Ouais, bah vas-y. Alors on monte. On fait le radar et on fait pi. Le voilà. Grublik. Oh oui, il a une bonne tête à la hardbag. Compétence commandée. Après la domination d'un capitaine, on peut y appuyer sur Y pour le commander. Ça vous permet d'ordonner à votre capitaine de tuer un autre capitaine ou d'essayer de devenir. Ok. Non. Eh oh, qui s'y te prend là? Toi là? Zut! Ah! Mais qu'est-ce qu'il est embêtant? Bon. J'ai entendu les orques. Ils vont nous ouvrir en deux une forêt d'épines si on ne termine pas le tour. Bon, bah faut que. Je me débarrasse de lui. Que bon, il m'embête. Ils sont plus nombreux que prévu. Il va y avoir du monde à tuer pour isoler le capitaine. C'est pas une... C'est pas un problème. Un moins. C'est ça, rebellez-vous. Ouais, ouais, non mais c'est 10 fois trop simple en fait. Et toi là? Oui, moi. Tes cris sont tellement plaisants. Moi, en tout cas, c'est moins sûr pour toi. C'est un avis sur lequel on diverge. Ah oui, marquage de combat, pardon. Marquage de combat. Ça compte pas, mais ça fait pas mal. Ah oui, alors maintenant, je te chope. Je t'interroge. Commandez, d'accord. Maintenant, il y a Triant commandé. Ce capitaine est un vaisseau contre. Vous pouvez créer une lutte de pouvoir en l'envoyant tuer un autre capitaine. D'accord. Si vous venez d'attaquer un chef de guerre, le capitaine tentera de devenir son garde du corps. Une lutte de pouvoir pour laquelle il devra faire ses preuves. Ok. Capitaine d'infiltrer l'unité de Tarz. D'accord, bah vas-y. Ok, bah fais ça. C'est bon? Et en fait, je peux dominer tout le monde maintenant. C'est fort. Il est à nous. Il reste à faire de lui un garde du corps pour qu'il puisse devenir chef de guerre. C'est le premier impact de foudre qui annonce la tempête prochaine. Ok. Ah oui, le lieu de recrutement, j'avais pas vu. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Voilà, il m'a fait pas vu. Je te suis. D'accord, c'est en haut. Monte. Monte, Talion. Et maintenant. Ok. Il se passe quoi? Rejoignez-moi. Ou vous finirez au bout de mon épée, bande de limaces. T'as pas l'étoffe d'un capitaine, vermine. Je dois aider Grublik à éliminer tous ceux qui nous défient. Rester au-dessus de Grublik tout en aidant à vaincre ces machins. Ouais, en gros, je tire quoi. Je dois aider notre marionnette avant qu'il ne la mette en pièce. Ouais, ouais. C'est plus le cas. Il est où?
Non mais... Je suis pas là. Oui, pour la gloire du Seigneur des Ténèbres. C'est bon? Où sont les... ceux que je dois attaquer? Notre protégé manie la peur comme une arme. Et nous sommes son allié invisible. Ouais, c'est une ombre qui reste proche et voit tout à la façon des elfes. Oui, bah, t'étais un elfe en même temps, c'est logique. Hein. Faut que je suive le gars. Ok. Ah tiens, je vais ramasser un peu de tir. Non, ils veulent pas. Oh, pas drôle. Non, pardon, pardon, Gromlik. C'est bon? Non, 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 vous avez rien vu. Bien. Oh les mecs, avancez. À travers ma volonté, il dirige ses ourouks du Mordor. D'accord. On va essayer de tirer d'elfe. Faut toujours du bien, un petit peu de tir en plus. Alors, tu vas aller là-bas. Donc, moi, je vais aller là-bas. Salut gars. Je sens quelque chose. Alors, d'ici, je devrais avoir de quoi faire. Allez les gars, finissez. Voilà. Voilà. Ça c'est bien. C'est bon? Rejoignez-moi dans la victoire. Ceux qui s'opposent à moi le paieront de leur vie. Oh, c'est sanglante. D'accord. Et maintenant? Gloire au capitaine. Nous mourrons en dernier. Oui, 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 oui. Pour les vrais autres. Nous avons notre chasseur. Alors traquons notre proie. Il est devenu fort. Sans déclencher l'air. Oh, vous êtes pas chiés, les mecs. Le chef de guerre a choisi notre capitaine. Alors il a choisi la mort. Prenons de la hauteur pour nous préparer à ce combat. Le cœur de cet esclave était trop caoutchouteux à mon goût. C'est meilleur de le manger quand il bat encore. Écoute-les. Des bêtes sauvages et cruelles. Et nous allons contrôler et diriger leur sauvagerie. Ouais, la classe. Ah, toutou. Ça va, toutou? Au revoir, toutou. Donc, faut que je monte. J'ai pas vu le chef depuis une éternité. Où est-ce qu'il se cache? Il a rampé sous un rocher avec les autres limaces. Je revenais de la chasse quand j'ai entendu quelque chose de bizarre. Le chef de guerre ne sort plus sans ses gardes du corps. L'immortel ne doit pas être loin. L'ancien garde du corps était vicieux comme panneux. Il paraît qu'il a fait du hachis avec l'ancien. Non, non, vous ne me voyez pas. Je suis... Non, je suis pas là. Non, je suis pas là. Quelqu'un rôde dans les bras. Oui, le... quelqu'un rôde hein, comme un rôdeur. Vous m'avez pas vu, j'ai dit. Et un petit tir d'elfe. Ok, machin est arrivé. Est-ce que je peux le tuer? Ce sera direct à faire. Ah non, j'ai... Ah non, faut que je fasse l'armée. Ça. Passer à la dernière étape.
Activez Krubli. Protège mon nom. Ouais, vas-y, vas-y. Tue-le. Alors, le but, c'est de tuer lui. Oh non, il est insensible aux attaques à distance, mais peut-être pas au feu. Vous attaquez votre propre capitaine. Merde. Oups. Pardon. Battez Tars. Je dois l'aider dans ce combat. Oui, je sais. Ah bah, il y en a au moins déjà. C'est pas mal. Mais... Nos flèches vont égaliser les chances. Oui, bah... Je veux bien, moi, mais... Il ne faut pas sacrifier notre lion. Toi, là-bas! Oui, moi! C'est moi qui vais te tuer! Décide enfin de sortir la tête de ta crypte, mais je vais t'y renvoyer une bonne fois pour toutes. Ou pas. Allez, allez, allez! Non, pas lui, pas lui! C'est notre gars, ça! Oh. Bah, chier! Non! Lui! Non! J'ai fait Y quand même! Non! Voilà! Lui! Voilà! Ça! Bientôt fini! Voilà, tue-le. Bien. Soyez maudit. Mais non. Mais non, on va pas être maudit. Ta tête est à moi. Le couteau a tranché. Non, mon épée a tranché, pas. Trahison. C'est bon, j'ai un chef de guerre maintenant. Il a la classe. Ouais, la classe. Sur un champ de crâne brisé. Soignez mes rangs, ou ma lame s'abattra sur votre cou. Le plan de la reine Marwen nous a donné beaucoup de force. Une force qu'il ne faut pas gaspiller, mais mettre à profit. La reine va nous montrer comment. Ouais, attends deux secondes. J'ai des trucs épiques à mettre. Ouais, épique. Bien, bien ça. La stratégie de Marwen donne de bons résultats. On a notre propre armée pour affronter les ténèbres. Un miroir qui se regarde, prêt à se fissurer. Retournons voir Marwen. Elle aura de nouvelles cibles. Bien. Oui, la suite. C'est quoi? Et là, elle est morte. Ah ben non, il n'y a pas de nouvelles cibles. Je sens que j'ai raison. Non, elle va se relever. Ouais. Ouais, non. Ah, c'est Saruman. Non, Saruman. Non, Saruman. Saruman, t'es méchant. Elle a l'air d'aller super mieux là d'un coup. Oh, elle est belle là au moins. Oui, ça va. Ah ouais, c'est mieux quand même. Oui, en fait, elle était comme Théoden. Bien maintenant que je peux te voir. Mon enfant.
Ah, elle était possédée, quoi. Contrôlée par le Votre pouvoir. Mère, elle était sous l'emprise d'un magicien très puissant. Talion, je suis désolée. Saruman vous a fait venir contre ma volonté. Mm-hmm. Je lui ai demandé de l'aide. Je me suis retrouvée prisonnière de mon corps. Il sait ce que c'est, c'est bon. Qu'avez-vous vu dans vos visions? J'ai vu les serviteurs de Sauron. La tour. Et la main noire. Ils sèment la souffrance. Si vous souhaitez savoir où ils se trouvent, ils traversent la mer de Nurnen. Leurs forces. Combien sont-elles? Beaucoup. Assez pour tous nous vaincre. Ouh. Alors il nous faut vraiment une armée. C'est clair. Mais ça, cela sera pour le prochain épisode. La maladie vous fragilise. Mais non. Reposez-vous. C'est la possession qu'il a. Qu'il a préparé notre voyage hors du Mordor. Ouais. Bon, on a bien avancé et on se kiffe bien maintenant, moi je dis. Ah oui, j'ai un point. Saruman est un des Istari. Avec le pouvoir de l'anneau, il aurait pu bâtir une grande armée pour défier Sauron. Ouais, c'est et clair. Et c'est ce qu'on doit faire, même si une garnison ne constitue pas une armée. Oui. Ouais. Oh. On doit dominer plus de chefs de guerre pour constituer une vraie armée. Oh, pff, c'est pas très dur. Ça, c'est ça, ça va être super. Mais j'ai un point, apparemment. Non? Ah, si, j'ai un point. Je me disais bien. Alors, 3. Alors, oh, bah j'ai plein de trucs maintenant. 1, 2, 3. C'est quoi le bouclier? Détermination. Compétence permettant d'encaisser un coup sans que le compteur de coups ne reparte à zéro. Bien ça, très très bien. Non mais moi j'ai déjà assez de pouvoir dans tout, je suis tranquille. Wouhou, j'ai déjà fort dans le pouvoir. Mais voilà, comme dit tout à l'heure, la suite sera pour le prochain épisode. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine.